qu'il est fluo, pas besoin. Je ne l'ai pas identifié, le deuxième. Ouais, mais c'est, non, c'est pas ça. Ah, il est vraiment bon pour toi. Hein. 4 gilets fluo à gauche de Robert, les autres à sa droite. On va marcher tous ensemble. L'objectif, c'est 600 mètres là-bas, après les zones de garrigue, de végétation. Et arriver vers le fond, il faudra peut-être ralentir. Alors essayez de n'ayez pas peur de bouger, parce que les lièvres sont gîtés, il faut les faire démarrer. Hein. Souvent, ils sont cachés sous une herbe et on ne les voit pas. Le lièvre ibérique était présent dans le département et c'est vrai qu'il n'y avait jamais eu vraiment de confirmation de l'espèce. Donc déjà en 1995, on avait fait un travail sur la génétique de cette espèce pour confirmer que c'était bien les plus grands atensis, le lièvre ibérique. Alignez-vous entre moi et l'autre gilet fluo, s'il vous plaît. On va faire entonnoir un peu. Juste là. Le lièvre ibérique vit surtout dans la péninsule ibérique et on en trouve deux populations, une qui a fait souche suite à des introductions dans le Roussillon et puis une autre dans la plaine de la Croze. C'est un peu curieux qu'il y ait une population qui se développe ici alors que c'est pas normalement la frontière entre les deux espèces est plus au sud. On veut comprendre pourquoi cette population a fait souche, pourquoi le lièvre d'Europe visiblement est un peu en recul localement ici alors qu'on va le retrouver un peu plus haut dans le Piémont, etc. Pour être efficace, la difficulté, c'est de devoir poser une grande longueur de filet et ensuite de trouver suffisamment de gens pour pousser, faire une ligne de rabat vers les filets. Et donc, ça a demandé la mise en œuvre de plusieurs structures, de pas mal de personnes, de plusieurs associations. On a sollicité aussi des étudiants avec qui on a l'habitude donc de travailler, que ce soit l'IUT de Perpignan, la licence GADER et les agros, mais également cette année, le lycée agricole de Rivesaltes qui s'est associé à notre démarche. Bon, c'est expérimental parce qu'on ne savait pas trop à l'avance ni si les zones étaient bien fournies et si ça allait bien se passer. Ah ben, c'est précieux parce que la fédération, ben déjà ils connaissent mieux leur territoire que nous forcément. Puis ils ont effectivement tous les contacts avec les associations de chasseurs. L'animal arrive dans le sac, ben déjà on le sexe, on le pèse. Après on va lui mettre des petites boucles métalliques pour le marquage au cas où. Et après on va lui prendre un petit morceau d'épiderme de l'oreille pour justement pouvoir après faire une analyse génétique et prouver que c'est bien un lièvre d'Europe ou c'est bien un lièvre ibérique parce que ben, pour pouvoir le confirmer, et puis après on peut tomber sur des animaux qui peuvent éventuellement être un peu hybrides entre les deux. Et donc après on va lui poser un collier GPS. Donc il y a une petite batterie qui permet au collier de fonctionner, on a une antenne GPS qui permet de faire des localisations et donc on va essayer d'avoir des points tous les jours, alors pas forcément toujours au même rythme, mais de nuit, de jour, pour savoir où est-ce qu'il gîte le jour, où est-ce qu'il va manger la nuit. Et puis en plus de ça, on aura toutes les demi-heures, on va enregistrer un niveau d'activité, parce qu'on a un accéléromètre aussi, et qui va nous permettre de savoir si l'animal est immobile ou s'il bouge beaucoup. Et donc on va mesurer un indice moyen d'activité sur 5 minutes, toutes les demi-heures. On pourra savoir à quelle période de la journée il est plus actif ou est-ce qu'il est plus usité, voilà. Alors on a le sexe, le poids, l'âge, les marques ont été posées, le collier est posé, l'ADN est OK, donc c'est bon.
Olivier, tu me reçois? Olivier? Ouais, je te reçois, dis-moi. Donc, fin de l'opération, puisque là, il y a assez de mâles adultes et assez de femelles. Et puis ensuite, tout le monde pourra venir au véhicule pour voir la fin de manipulation, la pose des émetteurs et puis le relâcher des lièvres. Voilà. On étudie l'impact du climat local sur le comportement des espèces. Ça pourrait jouer par exemple sur les périodes d'activité des animaux en fonction de la température diurne. Alors si c'est l'été, notamment s'il fait très chaud, peut-être que le lièvre ibérique il reste plus performant que le lièvre d'Europe, peut-être qu'il est plus actif plus longtemps, du coup il a un avantage. Et la démarche est de comparer un peu l'utilisation du milieu et finalement d'appréhender un petit peu la biologie du lièvre ibérique qu'on ne connaît pas vraiment. Potentiellement, c'est l'hypothèse, oui. On pourrait imaginer que s'il y a un réchauffement climatique, c'est que le lièvre ibérique devrait remonter au nord. C'est ce à quoi on s'attend.